commencer mon intervention par vous remercier pour votre présence massive à cette conférence de presse. Monsieur Diallo a déjà présenté les membres du collectif présent ici. Il y en a d'autres qui sont malheureusement empêchés. Nous sommes un collectif composé d'une dizaine d'avocats. Des avocats qui ont été constitués par les responsables de l'UFDG arrêtés et incarcérés afin d'assurer leur défense devant le tribunal de première instance de Conakry 2 qui a ouvert une information judiciaire contre eux. Il vous souviendra qu'il y a quelques jours, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Conakry 2, Dixit donc, a fait une déclaration radio-télévisée. Et nous sommes dans un pays où, lorsque un magistrat se sera pas la parole publiquement pour annoncer une procédure et des arrestations, très souvent, l'opinion a tendance à prendre pour agent comptant tout ce qu'il dit. Pour équilibrer l'information, il est notre devoir en tant qu'avocat de prendre ma parole aussi de la même manière afin de porter à la connaissance du même public les éléments dont nous disposons en restant aussi professionnel que possible, en restant objectif et en restant tout simplement des avocats. Nous ne venons pas ici pour exprimer quelque opinion politique que ce soit. Nous voulons simplement porter à votre connaissance et à travers vous à la connaissance des citoyens quelques éléments que nous avons pu recueillir du dossier sans trahir le secret de l'enquête préliminaire et sans trahir le secret de l'instruction. Pour éviter souvent au niveau de la presse un problème de transcription de nos propos, nous avons cru devoir rédiger un communiqué de presse d'à peu près 3 pages qui va être présenté tout à l'heure par Maître Modibo Camara à ma droite. Et suite à cela, nous passerons aux questions et aux réponses. Je passe donc la parole à Maître Modibo Camara. Il va vous lire le communiqué de presse qui a été préparé à votre attention. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Communiqué de presse des avocats de la défense Ousmane Gawal Diallo, Étienne Sorokogui, Ibrahima Chérif Ba, Abdoulaye Ba et Mamadou Sédou Baldé. Par une commission rogatoire en date du 14 octobre 2020, le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixine a saisi la direction centrale de la police judiciaire à l'effet de procéder à un certain nombre d'actes d'instruction, notamment de rechercher, interpeller les personnes soupçonnées d'avoir participé de près ou de loin à la commission des infractions prévues aux articles 846 et suivants, 282 et suivants, 784 et suivants du Code pénal. De procéder à toute visite domiciliaire, perquisitions et saisies. Perquisitions et saisies nécessaires à la détermination des circonstances de commission des dites infractions dans les quartiers et alentours de Kakimbo, Wanindara, Cimenterie, Fofomere et Lambani canadien. De dresser l'inventaire de tous objets saisis. Ensuite, le mardi 10 novembre 2020, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, se fondant sur des dispositions de l'article 8 du Code de procédure pénale,
a fait une déclaration en affirmant, entre autres, que l'officier enquêteur poursuit, dans le strict respect des règles de procédure, l'exécution de la commission rogatoire en recherchant activement certaines personnes, dont Ousmane Gawal Diallo, Mamadou Selou Baldé, Chérif Ba, Abdoulaye Ba, Étienne Soropogui, Sekou Koundounou, qui ont proféré des menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. Le mercredi 11 novembre 2020, M. Ibrahima Chérif Ba, vice-président chargé des relations extérieures de l'UFDG, a été enlevé à son domicile et conduit dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire. Pour éviter d'exposer M. Ousmane Gawal Diallo, Étienne Soropogui, Mamadou Selou Baldé et Abdoulaye Ba aux brutalités auxquelles se livrent habituellement les forces de sécurité lors des interpellations de citoyens, le collectif des avocats de la défense a demandé et obtenu de la direction centrale de la police judiciaire l'établissement de convocations en bonne et due forme, à charge pour lui de présenter les personnes concernées. C'est ainsi que, le jeudi 12 novembre 2020, Abdoulaye Ba, Étienne Soropogui et Ousmane Gawal Diallo se sont présentés à la direction centrale de la police judiciaire, en compagnie de leurs avocats. Il en a été de même pour M. Selou Baldé, le vendredi 13 novembre 2020. Curieusement, à la direction centrale de la police judiciaire, ils ont été entendus sur des faits qui n'étaient visés ni par la commission rogatoire, ni par les convocations qui leur ont été adressées. Les questions des enquêteurs ont porté essentiellement sur des propos qu'ils auraient tenus avant, pendant et après le scrutin du 18 octobre 2020. Au cours de l'enquête de police, il n'a été à aucun moment question des infractions de fabrication, acquisition, stockage, détention, usage d'armes légères, de guerre, de détention de munitions, de menaces et d'associations de malfaiteurs. D'ailleurs, aucune arme, aucune munition n'ont été présenté aux intéressés. De même, il n'a été fait mention d'aucune perquisition, visite domiciliaire ou saisie relative à ces infractions. Le lundi 16 novembre 2020, Ousmane Gawal Diallo, Étienne Soropogui, Mamadou Selou Baldé et Abdoulaye Ba ont été conduits devant le doyen des juges d'instruction qui, après les avoir inculpés des infractions de fabrication, acquisition, stockage, détention, usage d'armes légères, de guerre, de détention de munitions, les a placés en détention provisoire. Il est important de rappeler que Ibrahima Chérif Ba a été, quant à lui, placé sous mandat de dépôt le 13 novembre 2020 pour les mêmes infractions. Au regard des dispositions du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal, le collectif des avocats de la défense, j'allais dire, relève plusieurs irrégularités portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes poursuivies. En effet, dans sa déclaration radio-télévisée, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine a soutenu Ousmane Gawal Diallo, Étienne Soropogui, Mamadou Selou Baldé et Abdoulaye Ba sont activement recherchés. Or, ce sont des personnes dont les domiciles sont connus et qui n'avaient reçu aucune convocation.
Cette déclaration du chef du parquet de Nixin n'avait d'autre but que de les diaboliser et de justifier éventuellement leur arrestation violente. Par ailleurs, les convocations qui leur ont été adressées n'indiquaient pas les motifs pour lesquels ils sont actuellement poursuivis. Ce, en violation des dispositions de l'article 82 du Code de procédure pénale. De la même manière, les enquêteurs ont foulé au pied les dispositions de l'article 1257 du Code de procédure pénale relative au droit à l'information de la personne mise en examen. Mise en cause, je le dis. En outre, les règles relatives à la garde à vue n'ont pas été observées. Plus grave, la police judiciaire, avant de présenter les mises en cause aux magistrats instructeurs, les a photographiés individuellement en les obligeant à tenir une ardoise sur laquelle on pouvait lire le nom de l'intéressé et la mention « complot ». En plus de la violation manifeste de leur droit à la présomption d'innocence, cet acte qui rappelle un passé sombre était destiné à humilier et à saper le moral des intéressés. Il traduit aussi la haine et le zèle de certains enquêteurs à leur endroit. En réalité, cette procédure qui ne repose sur aucun élément tangible vise tout simplement à détourner l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les graves crimes commis sur des citoyens après le scrutin du 18 octobre 2020. À affaiblir, voire anéantir l'opposition politique en intimidant ses leaders et en entravant leur activité sur le terrain. En tout état de cause, le collectif des avocats de la défense entend œuvrer à la manifestation de la vérité en usant de tous les moyens légaux. Il craint tout simplement l'instrumentalisation à outrance de la justice à des fins politiques. Certains faits troublants semblent malheureusement donner raison au collectif des avocats. Le réquisitoire introductif d'instance du procureur, la commission rogatoire du magistrat instructeur ont été établis le même jour, soit le 14 octobre 2020, et bien avant l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, ce qui laisse apparaître une volonté évidente de procéder à des arrestations sans aucune infraction. En d'autres termes, ces agissements ne sont ni plus ni moins qu'une démarche qui consiste à interpeller d'abord et inventer les infractions par la suite. Le collectif déplore cette situation. Le collectif entend également œuvrer pour le rétablissement de l'état de droit et au respect des droits fondamentaux des citoyens. Je vous remercie. Vous venez donc de suivre la présentation du communiqué de presse qui a été préparé par le collectif des avocats de la défense. Avant de vous passer la parole, je voudrais quand même donner quelques précisions sur certaines notions que nous avons utilisées dans la déclaration. Vous avez entendu parler de commission rogatoire. Je sais que dans le public, il n'y a pas seulement que des juristes, peut-être même qu'il y a moins de juristes au sein de cette assistance. Je vais donc dire un peu plus ce qu'on appelle commission rogatoire. Parce qu'en échangeant avec les gens, même à certains niveaux,
on a eu l'impression que pour beaucoup, quand on dit commission rogatoire, il s'agit d'une commission de personnes qui a été constituée pour faire un travail. Vous savez que nous avons l'habitude des commissions en Guinée. En réalité, une commission rogatoire, c'est un acte qui est établi par le juge d'instruction et qu'il adresse à la police judiciaire afin de procéder en ces lieux et places à certains actes d'information. Autrement dit, lorsque le procureur de la République est informé ou reçoit un procès verbal d'enquête préliminaire, il a la possibilité de saisir le juge d'instruction lorsqu'il estime, par exemple, que les faits sont complexes. Il saisit donc le juge d'instruction de ce qu'on appelle un réquisitoire introductif d'instance, encore appelé réquisitoire afin d'informer. Donc, une fois que le juge d'instruction est saisi, celui-là accomplit ce qu'on appelle des actes d'information. Autrement dit, il pose des actes dans le cadre des investigations liées à cette affaire. Les interrogatoires des personnes mises en examen ou inculpées, les auditions de témoins, les saisies, les perquisitions, etc. Mais le juge d'instruction peut estimer qu'il ne peut pas, à son niveau, faire ça pour X raisons. Donc, il mandate la police judiciaire de procéder ces actes-là en ces lieux et places. C'est ce mandat-là qu'on appelle commission rogatoire. Donc, il fallait quand même qu'on apporte des éclaircissements par rapport à cela. Maintenant, le collectif est à votre disposition pour d'éventuelles questions ou éclaircissements. Encore une fois, je vous remercie. C'est bon. Ok. C'est annoncé la présence de deux ou trois autres avocats qui sont venus. Il y a Maître Thiermo Sleman Bali, qui est membre du collectif, et Maître Marie Touré également. Vous avez entendu, Maître, s'il y a des questions ou des précisions autour du communiqué qui a été lu. On va prendre des questions. Oui, Le Boya. Bonjour. Le Traoré, la première question que vous avez adressée à la lumière de la définition que vous venez de donner de la commission rogatoire, est-ce qu'elle était censée dispenser le parquet ou les officiers de police judiciaire de se munir de convocations, par exemple, pour interpeller vos clients? La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que vous avez une idée d'une date à laquelle ce procès pourrait démarrer? Je vous remercie. Écoutez, la procédure pénale repose sur des règles qui consistent d'une part à faire le nécessaire pour préserver notre public, d'autre part pour aussi faire en sorte que les droits et libertés des citoyens ne soient pas brimés. Donc, elle a pour obligation de faire la conciliation entre ces deux grandes préoccupations. La commission rogatoire dressée par le magistrat instructeur ne dispensait pas les officiers enquêteurs de commencer d'abord par émettre des convocations. C'est quand les convocations émises resteraient sans suite, c'est-à-dire que les intéressés à l'endroit desquels les convocations avaient été émises n'auraient pas répondu, que les officiers enquêteurs seraient en mesure, n'est-ce pas, de retourner vers celui qui a émis la commission pour solliciter des mesures forcées. Très malheureusement, on a préféré brûler les étapes pour procéder à des arrestations violentes et musclées. Comme l'a si bien rappelé Modibo dans le communiqué dont tu viens de faire lecture, après l'interpellation de M. Ibrahima Chérif Ba, le collectif s'est retrouvé
et à analyser la situation pour aboutir à la conclusion selon laquelle il fallait s'approcher de la police judiciaire pour demander l'émission des convocations à l'endroit de nos clients en bonne et due forme, afin que ces derniers répondent. Chose qui a été acceptée, des convocations ont été émises à l'endroit de Ousmane Gawal, Abdoulaye Ba, Étienne Soropogui, Mamadou Selou Baldé. Et ces derniers, sans aucune contrainte, de bonne foi, ont volontairement répondu, n'est-ce pas, à ces convocations. Malheureusement, puisque l'idée, c'était de les traquer, on n'a pas tenu compte de leur bonne foi, on n'a pas tenu compte du fait que c'est des pères de famille qui ont des domiciles connus, qui ont des responsabilités et qui ne peuvent pas se soustraire de la justice. On a simplement choisi de les garder à vue, certains pour 3 jours, d'autres pour 4 jours. La défense n'a jamais reçu notification du renouvellement de ces gardes à vue. Chose que nous déplorons. C'est pourquoi dans le communiqué, nous avons, n'est-ce pas, fustigé une garde à vue irrégulière. Et puisque le cinéma a été monté de sorte, une fois transféré devant le juge, c'est un mandat de dépôt qu'on a simplement rempli pour les conduire à la maison centrale de Conakry. Donc pour répondre à votre question, la commission rogatoire ne dispensait pas les officiers enquêteurs de suivre la procédure normale pour entendre des personnes à l'endroit desquelles ils estimeraient qu'il y a des soupçons plausibles qu'ils puissent participer de près ou de loin à la commission de l'infraction. Je voudrais quand même insister sur un fait. Nous avons constaté que lorsque la police fait une descente dans les domiciles des personnes qui sont soupçonnées, entre guillemets, d'avoir commis une infraction, cela se fait de façon très violente. Et à l'occasion, d'ailleurs, il est possible que des objets personnels soient soustraits, comme des téléphones, parce que très souvent, ceux qui viennent dans ces familles, dans ces domiciles, ne se contentent pas simplement de mettre la personne sur la personne, mettre la main sur la personne recherchée, entre guillemets. Il y a parfois, comme je l'ai dit, certaines soustractions frauduleuses de biens. Mais au-delà de tout ça, dans les familles où il y a par exemple des enfants à bas âge, c'est une source de traumatisme. Et dans le voisinage, ça crée souvent une sorte d'émoi, une sorte de peur. Donc nous n'avons pas voulu que nos clients soient exposés à cela. C'est pourquoi nous sommes entrés en contact avec la direction centrale de la police judiciaire en leur disant, écoutez, vous et nous avons un outil commun. Même si nous avons des objectifs différents, nous avons un outil de travail qui est commun, c'est le code de procédure pénale. Vous ne pouvez pas procéder à l'arrestation musclée d'une personne contre laquelle vous n'avez pas émis même une première convocation. Donc, M. Barry, Maître Lama vous l'a dit, la commission rogatoire obéit à des règles et ne dispense pas les enquêteurs du respect des règles de procédure pénale. Le second aspect de la question, c'est par rapport à l'éventualité de la tenue d'un procès. En ce qui nous concerne, c'est là-bas que nous avons, c'est à ce niveau que nous avons quelques inquiétudes. Vous savez, lorsqu'on parle de stockage, de fabrication, de détention, d'armes de guerre, de munitions, sont des infractions à caractère criminel. Et c'est pourquoi le juge d'instruction a été saisi. Et dans sa mission, le juge d'instruction est amené à accomplir un certain nombre d'actes qui peuvent s'étaler sur plusieurs semaines et sur plusieurs mois. Ils ont été placés sous mandat de dépôt. Et comme on est en matière criminelle, le mandat de dépôt-là peut être valable jusqu'à 6 mois. Bien entendu, il a la possibilité de renouveler le mandat de dépôt pour une nouvelle période de 6 mois. Et pendant cette période-là, nous avons, nous autres avocats de la défense, la possibilité d'introduire des demandes de fin de mise en liberté provisoire lorsque les conditions sont réunies. Et encore une fois, le juge d'instruction n'est pas obligé d'accéder à notre demande.
Mais nous avons la possibilité, lorsqu'il rejette une demande de mise en liberté provisoire, de saisir la chambre de contrôle de l'instruction. Donc, il est à craindre, encore une fois, que cette procédure ne soit mise à profit juste pour garder des responsables politiques en prison. Et bien sûr, cela est encadré par la loi. Mais une détention de 4 mois, de 6 mois déjà, pour un acteur politique, c'est assez lourd. Donc, pour ce qui est de la date d'un procès éventuel, on ne peut rien dire là-dessus. Et cela relève de la célérité ou de, du retard avec lequel le juge va examiner le dossier. Mais je dois vous dire qu'il y a plusieurs personnes. Nous parlons de ces 5 personnes-là aujourd'hui, 4 personnes, parce que ce sont des personnes en vue, sont des responsables politiques, mais il y a des citoyens anonymes qui sont arrêtés. Le procureur général vous a dit il n'y a pas longtemps qu'il y a près d'une centaine ou plus, parce que voilà, près de 300 personnes qui sont déjà incarcérées. Il y en a qui sont jugées en procédure de flagrant délit, ça c'est rapide, mais toutes les personnes contre lesquelles une information judiciaire a été ouverte, cela risque de prendre un peu de temps. Diego, au fond, oui. Oui, bonjour, je suis Valérie Bremadio, journaliste à l'Instant Sévran. Je suis demandé des faits pour lesquels vos clients sont poursuivis sont graves. Au cas où ils soient reconnus coupables, quels sont les bains de risque? Je pense que nous n'envisageons même pas l'hypothèse où ces personnes-là seront condamnées. Parce que, encore une fois, la vacuité du dossier n'est pas à démontrer. Il vous souviendra que dans d'autres dossiers, des charges aussi graves ou sinon plus graves ont été mises à la charge de personnes auxquelles on voulait créer des ennuis en raison de leur positionnement politique. Mais cela s'est terminé soit par une relaxe, soit par un acquittement. Dans tous les cas, comme vous le dites, les peines sont lourdes. Mais moi, je suis convaincu et mes confrères avec moi que ces dossiers-là n'iront pas loin et toutes les personnes qui sont arrêtés seront innocentés, sauf si la justice ne fait pas preuve d'indépendance. Je vous donne un exemple. Dans toute procédure où on parle de détention d'armes de guerre, la chose la plus élémentaire est de présenter l'arme qu'on a prise sur la personne. Mais comme je vous l'ai dit, dans la commission rogatoire, il a été question de perquisition de saisie. Malgré tout le temps qu'on a passé à l'enquête préliminaire, aucune arme n'a été présenté à qui que ce soit. Et la police n'a même pas dit qu'elle a procédé à des perquisitions ou à des saisies. En fin de compte, comme elle n'avait rien d'autre élément sous la main, elle s'est contentée d'entrer dans les pages Facebook des uns et des autres pour imprimer ceci, imprimer cela, pour dire « Vous avez dit ceci, vous avez dit cela ». Et quand il s'agit d'aller dans les pages des uns et des autres, je crois que de ce point de vue-là, il y aura beaucoup de gens quand même à mettre sous les verrous. Voilà, et vous avez bien écouté ici le communiqué qui a été lu par Maître Hugo. Lorsque vous lisez le communiqué de monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dissé, daté du 10 novembre 2020, vous verrez que le procureur de la République reprochait à Ousmane Gawal, Mamadou Sall Baldé, Abdoulaye Ba et Étienne Sorbogui d'avoir proféré des menaces et porté atteinte à l'ordre public, autrement dit, troubler l'ordre public. C'était de cela qu'il s'agissait. Mais curieusement, de la police et devant le magistrat instructeur, on n'a pas d'autres infractions qui vont au-delà des deux chefs de prévention qui étaient prévus ou consignés, n'est-ce pas, dans le communiqué de monsieur le procureur. Et le bâtonnier Traoré vient de vous dire que tout au long de l'enquête, il n'a jamais été présenté une arme à un de nos clients pour dire que c'est cette arme que vous avez fabriquée ou que c'était cette arme que vous avez stockée. Il n'a jamais été aussi établi dans ce dossier un quelconque procès verbal de perquisition qui attesterait
que des armes auraient été saisies au domicile d'un de nos clients. Donc nous, avocats de la défense, nous considérons que c'est un dossier vide, un dossier monté de toutes pièces, et que face à une justice sérieuse, on n'hésitera pas à élargir purement et simplement nos clients. Il y a un aspect aussi, peut-être qu'on va porter à votre connaissance. La commission rogatoire a été d'abord le réquisitoire introductif est du parquet de Dixit. Et dans la commission rogatoire, il est question de mener des investigations sur des infractions qui auraient été commises dans certains quartiers et alentours. On a parlé de Lambagny, on a parlé de Wanindara, on a parlé de Fofomere, on a parlé de cimenterie, etc. Vous savez qu'en la matière, il y a une question de compétence territoriale. Normalement, les investigations devaient porter sur des faits commis dans cette zone-là, éventuellement contre des personnes ou vis-à-vis de personnes habitant dans ces zones. Quand vous prenez par exemple M. Abdoulaye Ba, qui est domicilié régulièrement à Kibia, normalement, on ne peut pas l'impliquer dans une procédure concernant le tribunal de Dixit. Prenez M. Mamadou Sélou Bandé qui habite à la baie. Donc, c'est vous dire que ce qui intéresse les initiateurs de cette procédure, ce n'est pas forcément la recherche de la vérité, ce n'est pas la manifestation de la vérité, ce n'est pas la protection de l'ordre public. Parce qu'au même moment, dans certaines régions de la Guinée, dans certaines parties de la Guinée, il y a eu des violences, il y a encore des violences qui sont commises sur d'autres citoyens. Mais vous n'entendrez jamais que dans ces parties de la Guinée, il y a eu des arrestations, il y a eu des interpellations. C'est comme si ces personnes-là étaient bénéficiaires d'une certaine protection de la loi. Donc c'est ce qui nous conforte dans l'idée que toute cette procédure-là vise en réalité à affaiblir l'opposition politique. Et il y a un fait qu'on a signalé dans le communiqué de presse. Rien ne permet à la police judiciaire, en tout cas si elle était soucieuse du respect de la présomption d'innocence, de photographier des personnes dont la culpabilité est loin d'être établie avec une ardoise sur laquelle il y a la mention complot.